Française, Français. Je suis Christian Piquemal. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai servi 40 ans dans l'armée. J'ai terminé général de corps d'armée et j'ai essentiellement servi à la Légion étrangère et chez les parachutistes. Aujourd'hui, je vous annonce solennellement que je viendrai samedi prochain à Paris soutenir les Gilets jaunes. Depuis le début, en effet, je participe à des rassemblements dans ma région. Mais aujourd'hui, au vu de l'évolution critique de la situation, je considère qu'il est nécessaire de monter sur la capitale pour montrer au gouvernement qu'il n'y aura pas de retour en arrière, que les Français ont des exigences et qu'il va falloir enfin écouter le peuple. Il est, selon moi, du devoir de tout Français de soutenir activement le mouvement des Gilets jaunes, de participer au rassemblement près de chez vous ou à Paris, ou au minimum en affichant votre soutien par un gilet jaune placé sur le tableau de bord de votre voiture. Oui, je sais, il y a eu des violences inacceptables de commises. Mais il faut savoir que dans la plupart des cas, ces violences que vous avez vues dans les médias sont le fait de gauchistes, de délinquants, de casseurs et d'agents provocateurs sans rapport avec les gilets jaunes. Tous travaillent objectivement dans le même but, discréditer le peuple français qui exprime son ras-le-bol et réclame le retour de sa souveraineté. Au sujet de la souveraineté, il est aujourd'hui indispensable de structurer le mouvement des Gilets jaunes afin qu'ils puissent poser de manière crédible et efficace les exigences du peuple. Je sais qu'il existe en ce moment même des initiatives en ce sens visant à désigner des représentants et j'insiste bien, des représentants et non des chefs. Et je vous encourage vivement à tous participer à ce processus. En effet, plus vite le mouvement sera structuré et posera clairement la volonté du peuple à retrouver l'exercice de sa souveraineté nationale, plus vite notre pays reprendra sa marche normale. Car c'est possible, avec le référendum d'initiative populaire, dont le résultat est contraignant pour le gouvernement. En attendant, j'appelle tous les Gilets jaunes à garder leur sang-froid et leur dignité dans les semaines qui viennent. Désolidarisez-vous des actes de violence. Tentons de les faire cesser si possible et protégeons les biens de nos concitoyens, surtout quand ils sont menacés par les casseurs et les provocateurs. Notre but n'est pas de mettre notre pays à feu et à sang, mais qu'il fonctionne enfin correctement. De notre côté, je m'adresse également aux forces de l'ordre. Il est légitime et nécessaire d'intervenir contre les fauteurs de troubles, mais n'oubliez pas que les Gilets jaunes sont vos frères et sœurs, vos parents et vos enfants. Les Gilets jaunes ne sont pas des ennemis, ils sont votre peuple et votre famille. Ils sont aujourd'hui dans la rue pour défendre leurs droits, qui sont aussi les vôtres. Alors cessez les provocations et les violences inutiles et indignes face aux manifestants pacifiques. Rappelez-vous toujours que vous devez servir la France et son peuple et que vous n'êtes pas des mercenaires au service des banquiers et des affairistes. Françaises, Français, nous vivons une période historique. Il est du devoir de tous de rejoindre et de soutenir le mouvement des Gilets jaunes. Dans notre Constitution, il est écrit que le principe de la République est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Or, nous sommes le peuple.
C'est aujourd'hui le moment de décider comment nous voulons gouverner la France. Aussi, retrouvons-nous à Paris le 9 décembre et faisons ensemble retentir la voix du peuple souverain.